C'est un billet de loto que le gouverneur du Roubaix Hunan, à la fin du règne de Guangxu des Qing, Zhang Zhedong, émit pour collecter des fonds destinés à secourir les sinistrés. La valeur nominale se chiffre à 60 sous. En 1908, il y a plus d'un siècle, quand ce type de loto apparut dans le district de Messienne, province du Guangdong, une région reculée, face à cette étrangeté dite billet de don, même les citadins du chef-lieu du district, qui eurent vu du monde, restaient aussi spectateurs en se tenant à l'écart. Mais un garçon de campagne d'à peine 8 ans demanda quelques sapèques à son grand-père, qui n'avait que peu de revenus, traversa les badauds et acheta un jeu avec cet argent de poche, obtenu avec grande peine. Trois jours plus tard, les résultats du loto furent rendus publics et le grand-père du gamin sursauta. Il ignorait que son petit-fils eût acheté un jeu de loto avec l'argent de poche qu'il eût donné. Il croyait difficilement que le mioche eût remporté le premier prix de 1000 pièces d'argent. Personne n'aurait pensé que ce petit jeu changerait radicalement le destin de cet enfant et lui donnerait le courage de choisir lui-même son chemin. Cet homme est bien celui qui deviendra un grand maître centenaire, chef de file spirituel de la peinture chinoise, Lin Fangmian. Aujourd'hui, quand nous entrons dans l'histoire de cet homme, nous avons des interrogations. Pourquoi dans sa vie légendaire, aucune autre chance comme celle du jeu de loto dans son enfance ne lui sourit-elle plus ? Pourquoi dans le théâtre de sa vie, chaque fois qu'un spectacle s'ouvrit pompeusement, finit-il toujours par une fin tragique? Derrière ses peintures impérissables, Lin Fangmian laissa trop d'interrogations à notre monde. En avril 2014, le palais de l'art de Chine était plongé sous une pluie printanière. Dans cet immense édifice qui avait été le pavillon de la Chine à l'exposition universelle de Shanghai, une salle spécialement consacrée à l'œuvre du grand peintre Lin Fangmian accueillait des visiteurs venus de tous les coins du pays, voire du monde entier. Ce que les visiteurs voyaient ici sont les œuvres d'art représentatives de Lin Fangmian dans différentes époques. En tant que fondateur de l'enseignement des beaux-arts en Chine au début du XXe siècle et pionnier de l'art pictural moderne de Chine, Lin Fangmian, de sa nature miséricordieuse, combina de façon incroyable les moyens d'expression et l'esprit des arts chinois et occidentaux pour nous démontrer le charme de la vacuité irréelle et profonde et celui de la solitude spacieuse. De la roseraie de rue, s'élèvent des parcelles solitaires. Cette fille d'Orient, gracieuse, laisse deviner un charme mélancolique et mystérieux. Ce monde de montagnes et de rivières sereins semble lointain et spacieux.
voilée dans une brume vaporeuse. Ces natures mortes, très abstraites, qui semblent animées d'une force assoiffée de la vie, suggèrent une pureté irréelle, émergeant rayonnante, dépourvue de toute impureté. L'œuvre de Lin Fangmien est toujours enveloppée dans une poétique nébuleuse, imprégnée d'une légère mélancolie. C'est la confidence qui émane du fond du cœur d'un artiste. Ces peintures, qui, malgré les intempéries, restent vivifiantes, rayonnent d'une vitalité dense, éclatante, grâce à l'accrétion du temps.林风眠艺术最大的特点，它是融汇了东西方的优点，能够创造一种崭新、从未有过的艺术形式。它奠定了中国现代绘画的一个基础，在它后面很多人，包括赵无极，包括这个吴冠中，啊，都是苏老实话，都是追随林风眠这条道路的。我没有林风眠，中国也缺少了一块走向现代。 艺术的大师，所以说，我称林风眠先生是一个当代百年的巨匠，而这种巨匠是江山代有人才作，各领风骚数百年，他是属于这样各领风骚数百年的一个领袖性的、旗手性的人物。Quoique Lin fut un personnage représentatif rare dans le domaine de l'art en Chine au XXe siècle, il est pour nous, aujourd'hui, peu familier, voire même éloigné. Même si de son vivant, les informations le concernant étaient très vagues et abstraites, voire légendaires, tout de lui semble une énigme qu'on ne pourrait jamais percer. Peut-être seule cette photo de lui, prise à Hong Kong durant ses vieux jours, nous révèle son existence tangible. Au centre de son visage sculpté par le temps, un gros nez, large, épais, il a l'air honnête et sourit avec un brin d'excuse, comme s'il faisait adieu aux gens. Mais ses lèvres légèrement fermées donnent l'impression qu'il voulait dire quelque chose. Mains restées à faune, comme s'il ne décidait pas à dévoiler ses secrets. Je suis né en l'année désastreuse Gangzi, 1900. Lin Fangmien commença souvent à raconter ses souvenirs par cette phrase durant ses vieux jours. L'année Gangzi dont il parlait signifie l'an 1900 du calendrier grégorien. Pendant que les huit puissances étrangères s'attaquèrent à Beijing en la pilonnant, l'histoire de la Chine entra dans le XXe siècle. Le troisième jour après la naissance de Lin Fangmien, le gouvernement impérial des Qing signa le protocole de paix boxeur avec les huit puissances étrangères qui occupaient la cité interdite et avaient incendié le palais Yuanmingyuan. C'est en cette année malheureuse que Lin Fangmien vint au monde. C'est comme si tout cela présageait que sa vie serait hantée de calvaire. Voici la ville de Meizhou, dans la province du Guangdong. En novembre 2013, notre équipe de tournage des grands maîtres centenaires est partie à la recherche des traces de la vie de Lin Fangmien, en commençant par cette colonie des Hakka, aussi appelée pays natal des Chinois d'outre-mer et capitale mondiale des Hakka. La ville de Meizhou est une ville moderne économiquement développée dans la partie nord du Guangdong. Circulant dans les rues, ici, nous pouvons difficilement imaginer à quoi pouvait bien ressembler la ville en 1900. Mais au village de Gogongling, relevant du bourg de Siyang à 20 km du centre-ville de Meizhou, nous pouvons entrevoir des traces laissées par cette époque d'il y a un siècle. «
Cette cour qui a l'air dégradée fut bien le lieu de naissance de Lin Fangmian. Cette cour s'appelle Duyudu. C'est le père de Lin Fangmian, Li Boen, qui la baptisa ainsi. Sur les battants, on voit encore les caractères qu'il calligraphia en personne à l'époque. Duyudu, à l'entendre, ce nom suggère que ce soit une famille de lettrés. En fait, c'était une famille pauvre. La famille Lin vivait de l'activité de la taille de pierre. Meizhou se situe dans une région montagneuse riche en pierres comme matériel d'artisanat. La sculpture, un métier traditionnel, y existe depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, la performance des tailleurs de pierre de Meizhou est réputée dans tout le pays et leurs produits sculptés sont même exportés à l'étranger. Dans la région, les tailleurs de pierre mènent une vie assez aisée. Or, il y a plus d'un siècle, le grand-père de Lin Fangmian, le tailleur de pierre Lin Weizhen, n'eut pas cette chance. En tant qu'artisan du plus bas niveau dans la société de l'époque, il ne put gagner que quelques sous avec son métier et sa famille avait de la peine à joindre les deux bouts. Le 23 novembre 1900, le deuxième jour du dixième mois de l'année Gangzhe du calendrier lunaire dans cette cambuse, Lin Fangmian, dont le cordon ombilical venait d'être coupé, avait sa vie en danger. Compte tenu de la grave déficience congénitale, craignant que l'enfant ne pût survivre, le père Li Boen le prit dans ses bras dès sa naissance et envisagea de l'abandonner hors du village, dans la montagne. À cet instant cruel, la mère se rua au dehors et arracha l'enfant des bras de son mari. Lin Fangmian put ainsi échapper à la mort. Dès lors, la mère devint l'unique espoir pour le jeune Lin Fangmian de survivre dans ce monde. Durant sa carrière d'artiste, les filles furent l'un des plus importants thèmes de son œuvre. Dans ses chefs-d'œuvre qui couvrent la quasi-totalité de sa vie, cette image sereine, gracieuse et mélancolique apparaît sans arrêt, comme si elle exprimait un même thème. De nombreux chercheurs estiment que le peintre confiait son attachement profond à sa mère. Dans un article de sa fille adoptive, Fang Ye, Lin Fangmian décrivit sa mère dans ces termes. Elle s'appelait Tsue Yadai. Elle était d'une taille moyenne, métisse d'un père Han et d'une mère indigène Miao. Elle avait un visage gracieux et le pli épicantal. Ce que Lin Fangmian ne put oublier toute sa vie était la scène qui vit sa mère se laver la tête quand il eut 5 ans. C'était sur le terrain dégagé au bord d'une rivière devant la maison. Un après-midi d'automne, ma mère a défait sa longue chevelure. Elle était très belle. La scène était une belle peinture. Malgré sa belle et longue chevelure et son beau visage, sa mère ne fut pas appréciée dans la famille. Lin Fangmian écrivit ceci. La vie de ma mère était en fait un calvaire. Mon père, notamment sa belle-mère, que mon grand-père eut récemment épousée, lui était pas gentil. Ma mère malmenait du matin au soir. Le jeune Lin Fangmian ne comprenait certainement pas
les raisons qui se cachaient derrière ce constat. Meizhou se situe dans une région côtière dans le Guangdong. Mais les Hakka, migrés depuis le nord du pays, conservent depuis l'Antiquité les mœurs traditionnelles et les rites confucianistes de la peine centrale. Au village de Gogongling, la famille Lin fut un grand clan. Aujourd'hui encore, on peut voir l'ombre du régime de la loi familiale en vigueur à la fin de l'Empire des Qing. Quoique ce fût un village reculé, dans les fins fonds des montagnes, à l'époque, les règles rituelles étaient omniprésentes. La mère de Lin Fangmian était issue d'une ethnie minoritaire vivant dans la montagne. Aux yeux des membres du clan Lin, cette femme de la montagne ignorait tout des rites et des bonnes manières. Si la famille l'épousa, l'unique raison fut la pauvreté à laquelle se trouvèrent les Lin. C'est peut-être à cause de cela que Lin Fangmian fut vouée à subir la tragédie qui le frappera plus tard. Avant l'arrivée du drame, dans le cœur de ce jeune garçon de 5 ans, son enfance était bondée de rêves et de joie. J'ai le souvenir qu'entre le terrain vague et la maison, du côté gauche, il y avait un potager. Une grosse rangée de broussailles séparait le terrain du potager. De petites fleurs écarlates fleurissaient. Un ruisseau se trouvait à proximité. C'est l'endroit où je me plaisais le plus pour attraper des poissons dans mon enfance. Dans l'eau, entre les galets, il y avait beaucoup de petits poissons. On dit que sa famille le confia à l'école du clan Liben, quand il eut 5 ans, pour qu'il s'instruisît. Son père, tailleur de pierre, qui connaissait aussi dur, l'a pris à copier les modèles dans l'album des modèles de peinture du jardin d'Yeze. C'est la pratique de ces exercices de copie qui fit office de son éducation élémentaire de l'art pictural traditionnel de la Chine. Et tout cela se faisait dans la joie. Or, cette belle vie fut très vite brisée par un drame survenu dans sa vie. L'année où Lin Fangmian eut 7 ans, sa mère, ne pouvant plus supporter la froideur de son mari et l'injustice que sa belle famille lui fit, fit une fugue avec un jeune teinturier du village. Sa fuite fut incontestablement une humiliation pour le clan Lin. Une dizaine de jours plus tard, sa mère, rattrapée, fut ramenée par les membres du clan. Cruellement battue, exposée au public, attachée au poteau devant le temple du clan, sa mère allait être punie par immolation. À ce moment-là, Lin Fangmian était enfermée dans sa chambre. Plus tard, il raconta ce qui se fut passé. « J'ai eu soudain un pressentiment. Je suis soudainement devenu fou. J'ai trouvé un couteau, je me suis rué au dehors et je voulais les tuer tous. J'ai vu de loin ma mère avec ses bras pendants. Beaucoup de gens m'ont bloqué. Ils m'ont arraché le couteau et m'ont empêché de m'approcher de ma mère. J'ai crié et j'ai pleuré follement. Ils m'ont ramené dans la chambre. » L'hystérie de Lin Fangmian eut pour effet de sauver la vie de sa mère, mais pas pour autant de la garder. À la fin, le clan décida de vendre cette femme humiliante pour les ancêtres. Avant le départ, Lin Fangmian alla voir sa mère en cachette. Embrassés, mère et fils pleurèrent ensemble. À partir de cette date, ils ne se revirent plus, aucun signe de la vie de sa mère. Personne ne sait, face à cette cruelle réalité, comment Lin Fangmian, un garçon de 7 ans, put écraser son immense douleur et fureur intérieure. C'est peut-être aussi à cause de ce malheur tragique survenu dans son enfance que le futur grand maître peindra sans cesse, à l'aide de son pinceau, le même thème, secourir la mer en fendant la montagne.
L'infomienne peignit de nombreuses peintures sur le thème « La lanterne de Lotus magique ». L'histoire du serpent blanc. Secourir la mer est un complexe dont il ne put se débarrasser toute sa vie durant. La montagne derrière la maison de la famille Lin s'appelle Laohuyan. Laohuyan signifie rocher du tigre. On dit qu'orphelin de la mer, Lin Fengmian grimpa tous les jours sur Laohuyan et contempla longtemps l'horizon au-delà de la montagne, quel que soit le temps, sans interruption. Vu la trajectoire de sa vie ultérieure, il aurait eu probablement à partir de là le vif désir de fuir le pays natal. La mère étant perdue de vue, le grand-père, âgé, devint son dernier refuge intérieur. Dès lors, grand-père et petit-fils dépendirent l'un de l'autre pour survivre. Dans sa mémoire, Lin Fengmian dit « Grand-père me chérissait beaucoup. Il me gardait près de lui, du matin au soir. Je l'aidais à aiguiser des burins ou lui passer des outils. Je le regardais sculpter des motifs sur pierre. Grand-père attendait beaucoup de moi. Il m'a dit de transmettre son savoir-faire de tailleur de pierre. Il m'a aussi dit de moins porter les chaussures. Lui-même restait pieds nus tout au long de l'année, quel que soit le temps. Il disait, quand les pieds sont bien forgés, on pourra marcher sur n'importe quelle allée. Pour le jeune Lin Fengmian, le grand-père fut l'unique chance qui lui resta après le drame maternel. Et cette chance lui apporta une agréable surprise dans sa vie malheureuse. L'année de ses 8 ans, le grand-père lui donna quelques sapèques. Pour les Lin, qui n'avaient que des grains de soja pour vivre, même pour les adultes, ils n'osaient pas dépenser un seul denier de façon injustifiée. Or, Lin Fengmian, désireux de fuir le pays natal, fit le pari pour sa vie future avec ses pièces d'argent, sans tenir compte du reste. 3 jours plus tard, il gagna. Mille pièces d'argent pour la famille Lin qui vivait dans le besoin furent un chiffre astronomique inimaginable. Et à la fin des Qing, un maire du district ne gagnait pour ses émoluments que 40 ou 50 pièces par an. Cette somme d'argent suffit à acheter une grande ville dans la capitale provinciale, Guangzhou, à l'époque. Le lycée de Meizhou, fondé en 1904, à l'initiative du célèbre diplomate et poète Huang Zhenxian, à la fin de la dynastie des Qing, et l'école où, depuis une centaine d'années, un plus grand nombre d'élèves du Guangdong et du Fujian font leurs études. Aujourd'hui, le nom de Lin Fengmian est connu de tous dans cet établissement. Ils sont tous fiers de cet ancien camarade. En 1915, Lin Fengmian, alors 15 ans, entra dans cette prestigieuse école et commença ses 4 ans d'études. Ici, il fit connaissance de son premier professeur de beaux-arts de sa vie, Liang Bozhong. C'est ce dernier bachelier dans l'histoire de Meizhou qui excella en calligraphie et en peinture, qui orienta Lin Fengmian vers un monde nouveau de l'art.
Comme il eut appris à copier des modèles auprès de son père, il fut apprécié par M. Liang pour ses dessins précoces. Le professeur découvrit que cet élève eut une mémoire d'éléphant pour l'image et excella à développer et innover. Aussi, donna-t-on souvent, exceptionnellement, 120 points sur 100 au devoir de l'infirmière. Les camarades de classe ne le comprenaient pas. Le professeur leur répondit « Il dessine aussi bien que moi, il a la note de 100 points, mais il dessine mieux que moi, il gagne naturellement 120 points. » Durant cette période, des parents et amis ramenèrent des pays d'Asie du Sud-Est des livres étrangers, qui sussitèrent la curiosité de l'infirmière. Les planches en couleur, avec les images vivifiantes à l'occidental, permirent à notre lycéen, habitué de l'album de modèles de peinture du jardin Dieze dès son enfance, de découvrir un autre monde de l'art qu'il rêvait de connaître. L'homme sur la photo s'appelait Lin Wenzhong, un camarade de classe de l'infirmière au lycée de Meizhou. Selon les souvenirs de Lin Wenzhong, au temps du lycée, à part la peinture qu'il adorait, Lin Fengmian fut aussi fasciné par les poèmes des Trang. Les deux élèves eurent le même goût. Réunirent-ils un groupe d'adolescents amateurs de poèmes pour fonder le club de la poésie Trangli? Lin Wenzhong assuma la présidence alors que Lin Fengmian le seconda. Tout le monde déclama des poèmes ensemble. Cette imprégnation dans la poésie traditionnelle permit à Lin Fengmian de jeter une base solide à sa maîtrise de la culture classique, mais aussi d'apporter de l'imagination dans la création des poèmes et de la peinture ultérieurement. Cette camaraderie dans leur adolescence présage la direction du destin que Lin Fengmian connaîtra plus tard. Lin Wenzhong et Lin Fengmian eurent non seulement le même goût et la même ambition, mais ils se tinrent aussi compagnie plus tard durant tout le reste de leur vie tumultueuse. Et un autre camarade du club de poésie, face à la société ténébreuse, choisit à la fin de s'engager dans l'armée et aura d'ailleurs une carrière de combattant pour devenir à la fin l'un des maréchaux fondateurs de la Chine nouvelle. Il s'appelait Ye Jianying. Au début du XXe siècle, avec la pénétration de la culture occidentale, les élèves chinois commencèrent à poursuivre leurs études à l'étranger. En juillet 1919, Lin Fengmian, diplômé du lycée, resta perplexe quant à son avenir. Il reçut une lettre que Lin Wenzhong lui eut envoyée de Shanghai, l'apprenant qu'il pouvait poursuivre ses études en France. Il sauta de joie. Lin Fengmian, qui eût désiré partir très loin dès son enfance et adorait l'art occidental, partit sans aucune hésitation tout seul pour Shanghai avec les 200 pièces d'argent qui lui restaient du Grand Prix du Loto. Le 25 décembre 1919, faisant partie du 6e groupe d'étudiants envoyés en France pour séjour d'études, Lin Fengmian s'embarqua avec Lin Wenzhong sur le paquebot à destination de la France. À bord, il y avait aussi Cai Hosen, Cai Chang, Xiang Jingyu, Guo Jianhao, Li Lisan, etc., qui étaient les premiers communistes de la Chine. À ce moment-là, Lin Fengmian, qui avait 19 ans, rayonnait d'enthousiasme. Il pensait que dès lors, il monta dans un grand bateau de la chance. Mais il ne pouvait pas prévoir que le destin l'y attendrait. S'il n'était pas allé faire ses études d'art en Occident, en France, il n'aurait pas eu à supporter les calvaires qui l'accompagneront durant tout le reste de sa vie.